calculer une énergie cinétique. Voyons l'énoncé. Lors de la Coupe du monde de football 2018, le français Kylian Mbappé a été chronométré selon la Fédération de football à 32,4 km par heure, soit 9 mètres par seconde. Sachant que ce joueur a une masse de 78 kg, calculez son énergie cinétique lors de sa course à cette vitesse. On rappelle que l'énergie cinétique d'un objet en mouvement est donnée par la relation mathématique C égale 1,5 fois m fois v au carré, dans laquelle m est la masse de l'objet en kilogrammes et v sa vitesse en mètres par seconde. Petit coup de pouce avant de commencer. Il faut utiliser l'expression littérale pour réaliser le calcul en remplaçant les lettres par leur valeur numérique. Il faut traduire l'énoncé en associant la masse m et la vitesse v aux données de l'exercice tout en faisant attention au choix des unités utilisées dans le calcul. Et on rappelle que l'unité de l'énergie est le joule. Passons à la solution détaillée. Analysons tout d'abord l'énoncé. On cherche l'énergie cinétique du joueur que l'on notera EC joueur. Elle est donnée par la relation mathématique EC égale 1,5 fois m fois v au carré. EC énergie cinétique en joule, m la masse en kilogrammes et v la vitesse en mètres par seconde. On nous donne la vitesse du joueur en mètres par seconde. On la note v égale 9 mètres par seconde. On nous donne aussi la masse du joueur en kilogrammes, m égale 78 kg. On peut maintenant passer à la rédaction de la réponse à la question, calculer l'énergie cinétique du joueur. On rappelle la règle des 4C. On écrit d'abord ce que l'on cherche, puis ce que l'on connaît, ce que l'on calcule, et enfin on conclut par une phrase. On cherche la valeur de l'énergie cinétique du joueur, EC joueur. On connaît la masse du joueur m égale 78 kg et sa vitesse v égale 9 mètres par seconde. On calcule l'énergie cinétique en utilisant la relation mathématique EC joueur égale 1,5 fois m fois v au carré. On remplace les lettres par leur valeur numérique, ce qui nous donne EC joueur égale 1,5 fois 78 kg fois 9 mètres par seconde au carré. On trouve EC joueur égale 3159 joules. On peut conclure par une phrase du type « L'énergie cinétique du joueur est de 3159 joules ». Et on n'oublie pas d'écrire les unités.